Le système majoritaire est certainement le mieux adapté au Conseil des États, étant donné qu'il s'agit au Conseil des États d'avoir deux représentants par canton qui représentent l'ensemble du canton. Il faut donc des hommes et des femmes qui rassemblent bien au-delà de leur propre parti. Donc, vraiment, le système majoritaire est le système le mieux adapté au Conseil des États. Ce système électoral influence la composition du Conseil des États de la sorte que les personnes élues qui sortent de ces élections, hommes ou femmes, sont en général des hommes et des femmes qui ont déjà une grande expérience politique, puisqu'ils doivent être très connus chez eux et appartenir à des forces politiques dans leur canton qui sont les forces politiques les plus importantes, puisque finalement, c'est sur eux que les électeurs et électrices mettent leur vote parce qu'ils sont les plus connus et que le niveau de confiance en ces personnes est la plus grande. Il est très important d'exprimer son choix lors des élections fédérales parce que finalement on va choisir un homme ou une femme, des hommes ou des femmes, dans un courant politique qui est proche de ses propres pensées et ces hommes et ces femmes vont ensuite influencer pendant 4 ans la politique fédérale dans les lois qu'elles vont élaborer, dans les budgets qu'elles vont voter. Et vous voyez qu'une façon directe ou indirecte, ces personnes, le choix de ces personnes est important pour vous aussi, pour les 4 ans qui viennent.